Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Eh ouais, mes frères et sœurs, la salle de jujutsu brésilien. Bon, Jawad Ben Daoud, mes frères et sœurs, était invité à TPMP, mais à la dernière minute, suite à un tweet, Cyril Hanouna, mes frères et sœurs, a refusé, mes frères et sœurs, de l'accepter. Et je pense qu'il a pris parti clairement, catégoriquement, parce que voilà. La femme qui a mis le tweet, ou la personne, je sais même pas c'est qui, elle a dit qu'elle comprenait pas la décision de Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna, moi je vous dis la vérité, moi personnellement, je sais pas, moi pour moi j'ai l'impression quand on voit Jawad Ben Daoud, frère, la manière comment il s'est fait péter, on a l'impression d'un mec qui était innocent, qui comprenait rien ce qui se passait. Moi j'ai pas l'impression qu'il a à voir avec le terrorisme. En plus il a été acquitté. Il a été relaxé, tout ça et tout, il a été relâché. Donc ils vont pas relâcher un terroriste, mes frères et sœurs. Donc voilà, donc je pense que c'est vous qui n'avez pas voulu l'inviter, on ne sait pas pourquoi. En plus le mec il est en train de buzzer, mes frères et sœurs, sur tous les réseaux, sur TikTok, Snapchat, il est en tendance. Frère, il fait plus de buzz que des gens, ils sont là depuis 45 ans, mes frères et sœurs. Fallait lui donner le droit de parole, fallait lui laisser parler. Et si vous clash, c'est parce que tout simplement, Cyril Hanouna, t'es un homme. Tu dois prendre des décisions toi-même. Comment ça, tu regardes un tweet et tu dis oui, voilà, il est coupable ou je sais pas quoi, c'est quoi les bails? Réfléchis par toi-même. T'as 45 ans, frère, t'es un daron. Quand on te voit, wesh, cousin. C'est-à-dire, n'importe qui vient te parler, il va te dire si, tu vas l'écouter. Bref. Salam alaikum à tous les musulmans. Est-ce que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens? Dites ce que vous en pensez en commentaire. Soyez des hommes, les gars.